Bonjour à toutes et à tous, ici Bob de la chaîne Bob et Denis, en direct pour notre probablement dernier épisode de l'aventure sur Undertale, l'aventure sur Undertale, et voilà donc on va continuer notre route pour aller rencontrer Asgore probablement. C'est parti. Je ne peux plus bouger. Eliasans. Ouh là là, putain, ça m'a fait un peu peur ça. Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour tous les points d'XP, de XP que tu as alors gagné. Que signifie EXP ? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie Execution Points, point d'exécution. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, Execution Point augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton Love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie Level of Violence, ton niveau de violence. Ces derniers reflètent ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Tu comprends mieux à présent. Il est temps pour toi d'être jugé. Maintenant, interroge-toi. Penses-tu avoir pris les bonnes décisions? Et sachant ce que tu as fait, que vas-tu faire à présent? Prends le temps d'y réfléchir. Écoutez les amis, je pense que moi, j'ai pris des décisions en sachant ce qui allait m'arriver. Ah, 3 petits points. À dire vrai, peu importe ta réponse. Tout ce qui compte, c'est que tu as été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi à présent. Et Sans qui n'est plus là. C'est un peu triste. Salle du trône. C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Bob. C'est vide. Oh là là, je vais me faire déglinguer, les amis. On va sauvegarder. Entrée de la salle du trône. Pom 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 pom. Oh, il y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ses fleurs. Il arrose les fleurs. Et voilà. Oh là là, c'est... Coucou. Comment puis-je... Ah ! Gasp. Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire... Voudrais-tu une tasse de thé ? Mais... Tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Il s'agit de Asgore. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. Bon, je vais la voir si... médaillon cœur. Info, médaillon cœur, armure défense 15. Il y est gravé, ami pour la vie. Arme attaque 15, parfaite pour couper les plantes et autres vignes. Je vais prendre cette dague émoussée, les amis. Vous équipez de la dague. Alors, il y a un trône ici. C'est un trône. Yes. C'était un autre trône couvert par un drap blanc. Le trône de Toriel. On sauvegarde. Salle du trône. Sauvegarder, c'est parti. C'est un peu stressant comme situation. Dis-toi que c'est juste comme une visite chez le dentiste. En admettant que mon dentiste veuille me tuer. Tu as pu te préparer avant? Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt moi non plus.
Encore une sauvegarde, les amis, c'est que... La fin, c'est parti, les amis. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici, sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuez au partir. Continuez. Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. J'arrête de parler. Cela vous emplit de détermination. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Asgore attaque, let's go les amis. Asgore, examiné. Attaque 80, défense 80. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Parlez, mais il n'y avait rien d'autre à dire. Wesh, wesh. Bon, je vais attaquer les amis, je n'ai pas le choix. 136. Non, c'est chaud. Asgore, 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 Asgore. Ouh là 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 là. J'espère que vous kiffez le thème les amis, moi je suis très concentré pour ne pas perdre la vie. Pam pam pam. Pam pam pam. Oulala, c'est la fin, je vais me régénérer. Starfait. Vous buvez le Starfait, vous récupérez 14 PV, ce n'est rien. Ok, pour l'instant, je dois bouger. Je pense que je vais me régénérer. Non, encore un peu. Oulala. Je suis forcé de l'attaquer les amis, j'ai plus de boutons épargnés ou quoi. Profitez seulement de cette musique les amis pendant que je suis en train de me faire fumer. Ah ouais, non, c'est chaud ça. 137. Oulala, les amis. On va se régénérer. Starfait, vous buvez le Starfait, vous récupérez 14 PV. Oh putain, ça. Oh vas-y, ça va trop vite. Je n'ai plus rien, donc je vais continuer à attaquer, je n'ai rien. 152. Ouh, j'ai... Oh là là. Un point de vie, c'est mort, hein. C'est mort, les amis, j'ai perdu. Oh, vas-y. C'est mort. Yes. Ne perds pas espoir. Bob, garde ta détermination. Si vous avez bien entendu, c'est la même voix qu'Asgore. Écoutez, on va continuer.
suis totalement mort. Du jeu, vas-y. D'Asgore sont bas. Let's go baby! Let's go les amis. Ça fait bien 40 minutes que je suis dessus. J'ai enfin réussi. Alors. Ah. Alors c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'autre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclarai la guerre. Je jurai que j'exécuterai tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserai leurs âmes pour devenir un dieu. Et nous libérerai de cette infâme prison. Et qu'ensuite, je détruirai l'humanité. Et laisserai les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici et disparut aux yeux de tous. En vérité... Je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir.
Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Combat ou clémence, les amis. Je vais choisir la clémence, hein. Car il ne faut jamais se battre, les amis. Faut toujours... Je vais choisir la clémence, les amis. C'est un choix difficile, mais je prends la clémence. Après tout le mal que j'ai voulu te causer, tu préférerais rester ici et souffrir, plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface. Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous pouvons, que nous le pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires, assis dans le salon, et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Et c'est Floy. Imbécile. Tu n'as donc rien appris. Dans ce monde. C'est tuer. Ou être tué. Oh, ça... Oh là là! Le jeu vient de se fermer. Oh là les amis, le jeu vient de se fermer dans ma gueule. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah je vais le relancer. Hein. Oh! C'est en train de planter les amis. Flowey, mon monde, continuez. Oh là là. Une sauvegarde. La fin. Sauvegarde effacée. Oh là là, les amis, c'est parti! Coucou. C'est moi, Flowey. Flowey la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis sa raclée à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide... Il est mort. Et j'ai les âmes humaines. La vache. Ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne m'en manque qu'une. Avant de devenir Dieu. Ainsi... Avec mes nouveaux pouvoirs, les monstres, les humains, tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Flowey qui rentre totalement barge! Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour toujours. Mais ne t'en fais pas. Ton vieil ami Flowey en a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai juste avant ta mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente. Encore, et encore, et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu es vraiment stupide. Wesh, 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 wesh. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Oh là là, oh là là. Game over.
c'est juste un mauvais rêve. Et tu ne t'en réveilleras jamais. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et le jeu qui serait... Oh là là, ça s'est éteint encore une fois. Tu croyais vraiment que je me satisferais de te tuer une seule fois? Oh là là, cette fin, les amis. Bon, ça s'annonce très long. Pathétique. Maintenant, tu vas vraiment mourir. Ok, ouais, c'est impossible que je survive, les amis, on va pas se mentir. Tu réalises ce qu'il va se passer si tu me bats? Tu n'as toujours pas compris. Les fins heureuses, ça n'existe pas. Tout ce qui te reste, c'est ça. T'en es donc à ce stade du désespoir? Je me demande si on peut... si on peut avancer, les amis, parce que là... T'es en train de te laisser tuer? T'es pas un peu dingue? Ah. Danger, ah voilà, j'avance enfin, les amis. Danger, cœur bleu. Ah, j'ai un bouton d'action, j'ai un bouton d'action. Vous appelez à l'aide. C'est long, c'est long. Et là, je dois tous. Allez, redonnez-moi de la vie, let's go, on reprend de la vie, on reprend un peu de la vie, les amis. Oh mon dieu. Ouais, c'est la fin, c'est la fin. Vas-y, vas-y, c'est quoi ça? Danger, danger. Donc là, on doit rester. J'appelle à l'aide, je ne vois pas, je ne me vois pas à cause de... C'est parti. Allez. S'il vous plaît, des points de vie, des points de vie. Oh là là. Oh non, j'ai passé. J'ai clairement passé. J'ai clairement passé. Un autre danger, les amis. Wesh. J'allais dire ça va, mais en fait non. Vite, action, action. Let's go, les amis. On récupère un peu de vie. Ouh là là. C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. Apocalypse now. Et je ne fais pas de dégâts, les amis, je ne fais pas de dégâts. Elle est en train de me déglinguer, je ne fais pas de dégâts. Les bombes, bien évidemment, bien évidemment. Ok, un autre danger. Un autre danger, je ne m'entends même plus, les amis. Horreur, désespoir, mort, tristesse, mort, meurtrier. Merde. Ok, le bouton d'action est là. Vous appelez à l'aide, j'appelle à l'aide. Pitié, ne me lésez pas. Vie, protégé, succès. Oh là là, je suis trop nul. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, elle charge mes parties en... Je suis mort, je pense que je suis mort. Ouais, mais si je me lance dans la gueule du loup aussi. Ah, allez, un autre danger. On va pouvoir récupérer de la vie. Allez, les amis. Les fanatiques, plutôt, pardon. Ça va.
Oh, la petite musique plutôt sympathique. Ouais, elle arrive ici. C'est parti. Vous appelez à l'aide, j'appelle à l'aide. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, merde, ça vient de là. Un autre danger. J'ai les mains moites. Les mains moites. Oula. Le bouton d'action, les amis. J'appelle à l'aide, j'appelle à l'aide. C'est trop tard, les amis. Allez, c'est trop peu. Ah. La musique qui se lance. On me donne de la vie. Let's go, on me donne de la vie. C'est parti, bébé. La défense de Flowey est tombée à zéro. Il suffit de l'attaquer une seule fois, les amis, et ce sera la fin. La musique est épique. Je reprends de la vie en même temps. Le combat continue. Ah, le bord de la mer vient Capri ou de Kevin James, je sais plus. Le combat continue en tout cas. Non, c'est IDLJ, je suis totalement barré. C'est IDLJ, les amis. Je dois reprendre de la vie tout en continuant de combattre. Je ne dois jamais m'arrêter de combattre, je ne dois jamais m'arrêter de combattre, les amis. Telle est la leçon de la vie aujourd'hui qu'on apprend. Le feu, les amis, le feu. C'est totalement la fin. Ah, c'est la fin, c'est n'importe quoi, les amis. Mon ordinateur qui ne supporte pas la charge. Je suis à grosse route, let's go baby. On continue de combattre, on continue, on l'a presque vaincu. On l'a presque vaincu, les amis. Aide. Combat. On va continuer de combattre. Et on s'aide, et on combat. Ça n'arrête jamais. Le coup fatal, let's go, baby. Non. Ce n'est pas possible. Espèce d'imbécile. Ah, C'est la fin. Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi, tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Eh oui, c'est exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aidez-moi. Tu verras à quel point c'est utile. Action, vous appelez à l'aide. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Je suis mort, ça se rapproche, je suis mort. Quoi? Mais comment t'as... Bah, je vais juste... Échec du chargement. Let's go baby, ça. Let's go baby. Mes pouvoirs, ils ont... Les âmes!
Les âmes se séparent. Qu'est-ce qu'elles font ? Non ! Non ! Non ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Vous êtes censé m'obéir ! Arrêtez ! Arrêtez ça ! Arrêtez ! Aouh ! C'est la fin ! Combat au Clémence, oh là là! Les amis, bon, malgré le fait qu'elle essaye de nous fumer depuis. Qu'elle essaye de nous fumer depuis tantôt, on va continuer, les amis. On part sur de la Clémence. Trois petits points. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non. Je vais continuer, la Clémence. M'épargner ne changera rien. Me tuer est la seule façon d'en finir. Clémence, si tu me laisses en vie, je reviendrai. Je te tuerai. Je tuerai tout le monde. Elle devient fou. C'est le Joker. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à m'épargner ? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Flowey prend la fuite. Undertale. Serait-ce une séquence de crédit par Toby Fox? Oui. Que tout le monde applaudisse chez soi, s'il vous plaît, c'est très important! Salut, salut. Y'a quelqu'un ? Bon, je vais juste laisser un message alors. Ah, eh ben, ça fait un bail. La reine est revenue et a tenté de reprendre le pouvoir ici. Elle a mis en place une nouvelle politique. Les humains tombant ici ne seront plus traités comme des ennemis, mais comme des amis. Mais le peuple n'a vraiment pas aimé cette politique. Par ta faute, non seulement le roi n'est plus de ce monde, mais les âmes humaines ont également disparu. Avec les vies d'innombrables citoyens. Personne ne veut que ça se reproduise. Du coup, le peuple s'est révolté pour renverser le règne de la reine. Undyne a été à la tête de la révolte, bien sûr. Elle était plutôt en rogne après ce qui est arrivé à Asgore. Elle a jeté la reine hors du château de toutes ses forces. Elle est ensuite devenue l'impératrice de l'autre monde et a exilé la reine dans les ruines. On dirait qu'Undyne est encore plus motivée pour détruire l'humanité que ne l'était Asgore. Mais le bon côté des choses, c'est qu'elle n'est plus seule. Moi et Papyrus, on lui rend visite. On lui ramène des livres de la biblio, on joue à des jeux. On l'a même convaincu de prendre l'air de temps en temps. Tant que moi et Papyrus restons derrière, au cas où un humain arriverait. Mais Papyrus adore faire ça. Ouais, j'adore remplacer la reine. Dommage que Denis de la chaîne Bobanini ne soit pas là. Je me suis super entraîné pour recevoir les humains. Je ferai une parfaite maman. Sinon, à qui tu parles ? Oh, personne. Oh, cool. T'as suivi le bonjour de ma part. Papyrus te dit bonjour. Enfin, j'espère que les choses vont mieux là où tu es. A plus. Clique. Flowey. Qui n'est pas... Eh ? Vu que tu m'as battu, je me posais la question... Est-ce que tu es vraiment nécessaire ? Je ne sais vraiment plus maintenant. J'ai un service à te demander. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as cette force pour survivre. Repars de zéro. Sans tuer quoi que ce soit. Et je ne tuerai pas le roi. Que tu pourras avoir ta précieuse happy end. Alors, qu'en penses-tu ?
Feras-tu tes preuves ? Ou pourrais-je te regarder souffrir ? Dans les deux cas, ça m'intéresse. Et elle s'en va. Et le jeu qui se relance, c'est incroyable, les amis ! Le jeu qui nous demande de refaire une run sans tuer un seul... sans tuer quoi que ce soit, quoi. C'est la fin, les amis. C'est la fin de notre Let's Play. Notre première aventure. Notre route neutre sur Undertale. Undertale. Et les amis, je peux reset. Je veux le faire. Reset. Un nom a déjà été choisi. Bob, oui. Et on recommence le jeu à zéro. Bon les amis, on va s'arrêter là. C'est la fin pour cette première aventure sur Undertale. Comme le jeu l'a demandé, je vais faire la route pacifiste. J'espère que ce let's play vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à tourner ces vidéos. Je suis un peu bouleversé, on va pas se mentir les amis. Voilà. Bon, vous connaissez la gimmick. C'est la fin. On se revoit plus tard pour la run pacifiste. Je vais essayer de faire en un, voire maximum deux épisodes, pour pas que ce soit chiant. J'ai enlevé tout ce qu'on a déjà vu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et aujourd'hui, plus que jamais... Bye!